donc cette initiative à Nantes où un homme a mis en place une association destinée à trouver un logement pour les sans domicile. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'un logement temporaire, mais bel et bien de leur acheter un appartement. Sophie Mézel, Claire-Marie Denis. Le quartier est loin du centre-ville. Peu de curieux y aventure. C'est pourtant ici que vit cet ancien artisan dans le bâtiment. Mais son chez lui, on en fait vite le tour. On arrive dans mes appartements. Voilà, le rituel. Ouvrir la tente. Pas toujours commode, mais enfin, c'est comme ça. Hein. C'est là où je crèche. Sa compagne qui décède, son appartement incendié, Alain Pavlak s'est retrouvé dans la galère il y a 2 ans, sans jamais perdre espoir de se relever. Aujourd'hui, une association qui loge des gens à la rue a promis de lui téléphoner, avec peut-être une bonne nouvelle. Ah, il n'aurait pas tardé, si m'a dit qu'il aurait téléphoné. Il n'aurait pas tardé. L'attente s'éternise quand soudain, son portable rescapé de sa vie d'avant vibre. Allô ? D'accord, donc j'ai l'appartement, quoi. L'association a hésité jusqu'à la dernière minute entre 2 personnes pour finalement privilégier Alain. C'est énorme, c'est parce que je le fais pas voir. Peut-être qu'il y a la caméra, je le fais pas voir aussi. Mais intérieurement, ça boue. Hein. Je suis pressé d'y aller, quoi. Allez, ce soir, je vais dormir sous la toit. Ce toit, c'est à Denis Castin qu'il le devra. Ce simple citoyen, ingénieur de formation, était dans le centre-ville de Nantes il y a 5 ans, quand l'idée lui est venue. C'est là qu'il y a eu un déclic. Quelqu'un est venu me demander une pièce. Puis je me suis dit, cette pièce, si on était plusieurs à la donner en même temps, au même moment, on pourrait la loger cette personne. Son principe est simple. Pour loger des SDF, l'association Toi à moi rassemble des mécènes et des petits donateurs réguliers. Des gens qui donnent 20 euros par mois, déductibles des impôts, pour financer l'achat d'appartements. On a pu acheter comme ça 4 appartements. 4 appartements qui permettent de loger plus que 4 personnes. Parce qu'une fois qu'une personne est réinsérée, et bien en fait, dans le même appartement, on va pouvoir héberger une autre personne, puis une autre. Et c'est le fait d'être propriétaire qui nous permet ça. Dans cet immeuble du centre-ville, un appartement de toi à moi vient justement d'être libéré. C'est sur place qu'Alain Pavlak a rendez-vous. Bienvenue chez toi, Alain. Merci, Denis. 30 mètres carrés refaits à neuf. Alain Pavlak va officiellement devenir locataire de ce 2 pièces pour 20 euros par mois. Il pourra y rester le temps qu'il lui faudra pour retrouver un boulot et un logement indépendant. Une aubaine, même s'il a encore du mal à réaliser. Et autant que j'ai pas eu une chambre à moi tout seul. Hein. Ah, c'est important. Ça représente quoi ? C'est incommensurable pour moi, c'est. Je trouve pas les mots. Je trouve pas les mots. Hein. Déjà, je pensais pas avoir 6 ans, hein, franchement. Hein. Les projets se bousculent, mais il sait déjà qu'il pourra passer son prochain anniversaire dans 15 jours chez lui, avec ses 2 plus jeunes enfants. Voilà pour ce reportage. 19 départements.